commémoration, la paix. Je commencerai par vous présenter cette organisation en quelques mots. Ruiz Hussein est une structure internationale dédiée à faire connaître au monde la personnalité d'un homme ayant vécu il y a 1400 ans et qui, aujourd'hui encore, est une véritable source d'inspiration. Hussein Ibn Ali. Qui était-il? Élevé durant le 7e siècle après Jésus-Christ par son grand-père Mohammed, Hussein était reconnu par son sens de la justice, sa personnalité intègre et généreuse, son courage et sa détermination à venir en aide aux plus démunis. Plus tard, il s'illustrera comme une figure révolutionnaire qui se soulèvera contre la tyrannie et l'oppression du gouvernement en place en sacrifiant sa vie et celle de ses proches tout en défendant ses principes, le respect, la justice, la fraternité, l'entraide. Comment un homme tué il y a 1400 ans pourrait-il continuer à pousser des millions de personnes à faire vivre sa cause et à inspirer par son nom à notre époque? J'aimerais pour cela explorer deux pistes avec vous. Plus encore, c'est un message auquel tout citoyen du monde peut être sensible, car en toute personne partisane de la vérité, du sens du devoir et du bien-être collectif, sommeille un Hussein. J'aime beaucoup cette déclaration du docteur Rajendra Prasad. For generations to come, one such event in human history is the tragedy of Karbala. Now, in order to appreciate the significance of this great tragedy and to create awareness of the virtues that were being fought for, it is necessary to briefly review the historical events that took place. Over 1400 years ago, on the 10th day of the Islamic month of Muharram, was the day of Ashura. A day which marks the commemoration of the revolution begun in the plains of Karbala, Iraq, by Hussein, who was the beloved grandson of Muhammad, the last of the prophets. Là est un apprentissage, chanté et honoré donc ce partage. Cet amour-là, tâchons de l'animer. Allumons la flamme de nos cœurs avec cette bougie-là. Tous ensemble. Merci. Allumez les bougies. Maintenant, vous pouvez allumer les enfants. Allumez les enfants vos bougies maintenant. Vas-y, c'est le orange. Victorieux, 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 victorieux. Le jour de ta naissance en terre d'Arabie, tu vas embellir la sainte demeure d'Ali. Tous ont enduré de bien nombreuses peines pour sauver le message et ses valeurs humaines. Tous ont enduré de bien nombreuses peines pour sauver le message et ses valeurs humaines. Rendons leur hommage au travers de ces vers. Rendons leur hommage. Victorieux, Hussein, victorieux, victorieux, Hussein, victorieux. Les salutations de Dieu soient sur toi, ô Aba Abdallah al-Hussein. Le symbole
est l'amour de l'humanité. L'amour étendu. L'amour de Hussein, qu'on le trouve ici à Paris, comme dans toutes les villes, toutes les capitales, comme on l'a trouvé il y a quelques jours en Irak, sur le chemin de Karbala. Quand on dit chaque jour c'est Ashura et chaque terre est Karbala, c'est vrai. Chaque terre est Karbala, ça veut dire chaque terre est l'amour. Hussein alayhi salam, qui a aimé tout le monde, il a pleuré pour tout le monde. Il a essayé d'aider tout le monde. Il a même pleuré pour son ennemi et pour ses ennemis. Il a donné à boire à ses ennemis. Ce n'est pas des paroles, mais c'est des pratiques. Le message de l'imam Hussein est aujourd'hui pour tout le monde. Ce message est envoyé à nous avant les autres, à nous ici, présents ici, et à toute l'humanité. Imam Hussein nous demande de s'aimer entre nous. Celui qui n'aime pas l'autre, il n'est pas dans l'école de l'amour de l'imam Hussein. Et je pense que nous sommes tous et toutes concernées par ce message de l'imam alayhi salam. Regardez les exemples et les histoires de l'imam Hussein. Avec un chami, quelqu'un qui était manipulé par les médias de certains ennemis de l'islam, à Damas, il pensait que l'imam Hussein, le fils de Ali, est une mauvaise personne. C'est pour cela, quand il est venu vers l'imam, au début, il a pensé que... Et comme les autres. On a trouvé de plusieurs ethnies, de plusieurs religions, de plusieurs aussi, de plusieurs races dans le camp de l'imam Hussein. Laissons à côté tout ce qu'il divise. Tout ce qui divise entre les gens, tout ce qui divise entre nous, tout ce qui divise entre l'humanité, et laissant le message d'amour, le message d'humanité de l'imam Hussein passer partout, Inch'Allah. Bi barakati salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashura est une résurrection. Inch'Allah, Inch'Allah, notre imam est parmi nous en ce moment, triomphant, debout, la tête haute, victorieuse, entouré par tous les savants de Hussein ici présents. Et puisque toutes les terres sont Karbala, Kullu Arzin Karbala, nous voici réunis dans notre Karbala à nous, là où l'oppresseur est passé définitivement dans l'oubli. Le nom de Hussein est calmé avec force. Dorénavant, l'esplanade de la Trocadéro sera pour nous, chiens de France, la place de la victoire, la place où Imam Hussein triomphera éternellement. La Beg Ya Hussein! Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je crois que c'est encore plus beau.